Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir d'être avec vous. Top départ d'une nouvelle émission. On est ensemble pendant 1h30 pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Ouais, on est content. Hein. On est content de ce rendez-vous. Hein, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Voici tout de suite le sommaire de ce qui vous attend dans l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team, comme tous les soirs, des news pour ouvrir notre programme. Accord entre Sergio Ramos et le PSG, on en parle dans le Focus. Messi, Ribéry, Balotelli sur le marché. Euro 2020, analyse et décryptage des équipes qui joueront les quarts de finale. Jean-Tanguy Yapouadou, directeur de la communication et des partenariats, Fédération ivoirienne de mini-foot, est l'invité de la Grande Team. Oui, voilà, nous allons parler mini-foot, entre autres, hein, ce soir, grâce à notre invité. Si vous avez des questions à lui poser, à lui, à son sport, à sa fédération, eh bien, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook de la 3. Et n'hésitez pas à commenter également la question LGT. Léo Messi n'est plus sous contrat avec Barcelone. Est-ce vraiment fini entre l'Argentin et son club de toujours? Eh bien, exprimez-vous via la page Facebook et vous pourrez le faire également par téléphone au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Avant de retrouver la team, eh bien, on va faire le tour des news. Et on ouvre les news de ce soir avec de l'athlétisme. Une Namibienne de 18 ans étonne sur 400 mètres. On passe au basketball, les Suns champions de la conférence Ouest. Le soleil brille. En tennis, Zverev au troisième tour à Wimbledon. Alexander Zverev, sixième mondial. Et puis, dans notre page football, on commence avec Angban Victorien qui va quitter Metz. À l'occasion de sa conférence de presse de reprise ce mardi, Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, a dévoilé quelques infos sur le mercato estival des Grenats. Le technicien mosellan a révélé que Victorien Angban, 24 ans, Lens refuse une offre pour Seko Fofana. Outre la piste menant au talent d'Arsenal, Matteo Guendouzi, l'Olympique de Marseille. Parlons de l'Africa Sport, Didier Nguesson devant la presse. Actuel président d'honneur du club des amis de l'Africa Sport et probable candidat à la présidence de la section football de l'Africa Sport, Didier Membe Nguesson a animé une conférence de presse mardi à la maison de la presse au plateau. Objectif selon lui, faire des suggestions au comité de normalisation de l'Africa Sport, dont le mandat prend fin au plus tard le 31 août 2021, afin qu'il puisse mener à bien la mission qui lui a été confiée. Le thème était le comité de normalisation de l'Africa Sport, une opportunité de nouveau départ pour notre club. Et puis, on termine avec Dalloa qui va vibrer au rythme du football. Ivoire Sport Promotion se prépare à investir Dalloa avec une compétition de football baptisée Tournoi de la Cité des Antilopes. L'annonce a été faite mercredi au cours d'une conférence de presse. Ce tournoi se déroulera le 10 juillet. Du 10 juillet au 14 août prochain, 20 équipes ont été choisies en tenant compte des différents axes qui mènent à la ville de Dalloa. Plus d'informations avec les promoteurs. Ce tournoi vient pour répondre à un besoin. On a constaté une vacuité au niveau de nos régions, de ce genre de tournoi qui à l'époque ont égayé les différents villages, les différentes villes de l'intérieur du pays. À l'époque, on disait les comités. Aujourd'hui, ça manque cruellement. La population en demande, la jeunesse en redemande. Donc notre mission à travers ce tournoi, c'est de faire en sorte qu'on puisse se retremper dans cette atmosphère-là des grandes compétitions mythiques, les intervillages. Vous savez que la cité des Antilopes est une cité qui a offert beaucoup de talents, beaucoup d'athlètes de haut niveau à la Côte d'Ivoire. On veut parler déjà de plus illustre. Selon moi, c'est Alain Gouaméné, celui-là même qui a arrêté le pénalty victorieux en 92. Donc, en pensant à ça, on s'est dit qu'il fallait commencer quelque part. Donc, on a tout de suite commencé par Dalloa. C'est une saison 1, comme on dit. On va d'abord commencer par ces 20 villages-là, qui viennent des différents axes, les 4 axes de Dalloa. Et puis, pour 2022, on verra comment faire pour les intégrer. Ben voilà, c'est une super nouvelle hein, pour la ville de Dalloa. C'est tout en ce qui concerne l'actualité sportive du jour. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le beau programme hein, que vous avez découvert dans le sommaire. Eh bien, retrouvons tout de suite la team de ce soir.
Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous, messieurs? Oui, ça va. Ça va très bien. Roger Stéphane, ça fait plaisir de vous voir. Ben, je suis là. Heureux d'être là, rassurez-nous. Oui, vous m'avez un peu manqué, vous me manquez un peu, mais je suis là. On voit tous les jours, les tchatcheurs, ça marche très fort. On me demande souvent après vous, hein, d'ailleurs, dans la rue. Ah, d'accord. Voilà. Bon, et vous, Yves-Boris, ça va aussi? Mais ça va très, très bien. Bon, et eh bien c'est la toujours... pêche. La pêche? J'ai la pêche. Ah, d'accord. Kylian Mbappé. C'est le Kylian Mbappé de la rédaction, ça. Ah bon, ah bon hein? Et pourquoi? Ah oui, mais brillant, talentueux. Et puis bon, des fois aussi, un peu un problème, parce que là, il a loupé le tir au but la dernière fois. Oui, c'est un problème. Ah bon? Le Kylian Mbappé. Il y a des secrets qu'on doit connaître. Sacré bonhomme, notre Kylian Mbappé à nous. Bon, ben très bien. En tout cas, voilà, hein, 90 minutes d'actualité sportive, mais surtout de bonne humeur et de détente, oui, avec une team très sympa. Et puis vous, hein, qui avez l'occasion de vous exprimer également dans cette émission. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite la question LGT de ce soir. On va parler de Léo Messi. Léo Messi n'est plus sous contrat avec Barcelone, ça on le sait. Est-ce vraiment fini entre l'Argentin et son club de cœur, son club de toujours, hein, j'ai envie de dire, eh bien, vous pourrez vous exprimer déjà sur la page Facebook de la 3, mais également par téléphone au 00225 27 21 59 93 99.